ceux qu'il faut être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ferraille. Ouais, je vais prendre des munitions de... Ça pour l'instant je vais le mettre en raccourci. Bon non. Je... Fouille à l'étage. Ah là il y a des trucs. On va le... Il peut mourir lui, on s'en fout. J'adore. Ok, trois trucs de pompe. Poudre à canon, allez c'est bon. Oh cette pression. Au pire on peut faire ça hein. Mitraillette hein. Allez. Ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas de parasites aussi. Le couteau, je maîtrise pas. C'est d'économiser le maximum cette pression. J'essaie de faire ce que... Mon max bande de geek. Oh vas-y. Ça s'arrête jamais. Je vais sortir la mitraillette. Oh ta mère. Je suis dans la merde.
Ah mais il a pas rechargé. Est-ce que je peux sauter? Mais non! C'est un truc de fou. Je crois qu'on a un gros problème. Je suis un peu occupé là. Mais que vous pensez vous? On vous accueille avec le sourire, non? Enfin, c'est pas sensé aussi. D'où il vient lui? Mais combien ils sont? Wow, mais c'est impossible! Est-ce que je peux sortir de cet endroit s'il vous plaît? Est-ce que je peux sortir de cet endroit de mort? Est-ce que je peux sortir? Je vais sortir le fusil, mais le fusil c'est chaud, non? Comment tu veux que je tue le taureau, moi? Merde, pourquoi je monte, moi? On peut sortir ou pas? J'ai le cœur à 250. Je suis pas bien. Je suis pas mort. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté, mais j'ai tiré sur le taureau, hein, quand même. Hein. Oh merde. Ashley, est-ce que c'est la première fois que tu craches du sang comme ça? Tu nous expliques? La tour, le sang, c'est dû à quelque chose qu'on appelle Blaga. Ok. Pardon. T'as vu ces gens, pas vrai? Bah toi, putain de pression de zinc t'empêche. La même chose qui les a rendus comme ça. Un hardcore tant qu'il crève pas, ça continue. Mais ouais, tu me tiens. Symptômes. Eh ben, c'est que le début. Je veux pas devenir comme eux. Quelque part, on peut dire que t'as de la chance. Tu vois, à ce stade précoce, le parasite, la plaga, il est encore possible de l'extraire. Mais j'avais pas de pompe, tu as vu. Par une opération chirurgicale. C'est ça qui m'a. Il faut juste un peu de savoir-faire et aussi le bon matériel. En fait, le clébard, j'aurais jamais dû utiliser tout mon pompe. Vous en faites pas. Louis de la Vegas. Super, on est partenaires. Attends, pourquoi tu... Attends pour les questions, l'heure tourne. Pourquoi tu nous aides? Eh bien, ça m'aide à me sentir mieux. Restons-en là. Je vous recontacte plus tard. Ok. Bon, bah écoute. Qu'est-ce que t'en as pensé, Keksu, de mon gameplay? Résultat du chapitre, une lueur d'espoir, 300 PC, 15 précision 70, putain c'est pas... Regarde, mort, 0. Attends, je suis pas mort. Attaque subie, 31. Ça va. On a vu mieux, putain le mec.
T'en as vu pire aussi, hein, culé. Ce qui compte, c'est que tu as ragé. Alors, quand j'ai vu le taureau arriver, là... Par contre, c'est un peu dommage, tu vois, qu'il met toujours le même taureau. Hey. Oh, putain. Ada. Bien sûr, ta marque préférée. Alors, où est l'ambre? Malheureusement, je l'ai pas sur moi, là. Et tu devrais plutôt me féliciter. Ah, j'étais un bozo à la stoffe. Excellent travail. Parce que je me suis cassé le cul pour le planquer. Je mourrai toutes les 5 secondes. Ce qui me vaut d'ailleurs d'être encore en vie. On était d'accord. Elle est magnifique, Ada. On faisait sortir d'ici en échange de l'ambre. Pas d'ambre, pas de protection, Louis. À cheval sur les détails, hein, Ada. Très bien. Je vais le chercher maintenant, ok? Fion de 12. Fion de 16. Oh! Ah ouais! Oh la bonus! Et j'ai aussi quelque chose d'autre à aller chercher. Oh! Ici Perchoir. C'est elle ma préférée. Mauvaise nouvelle, Condor 1. Avec le temps qu'il fait, l'hélicoptère ne pourra pas se poser. Tu m'étonnes. Est-ce que tu peux attendre que ça se calme? Négatif. Négatif. On va essayer de trouver un endroit plus sûr. Désolé. J'aimerais pouvoir faire plus. T'en fais pas pour ça. On rentrera à la nage s'il faut. Envoie-moi un petit nude. Terminé. Tu m'envoies un petit nude, c'est bon? Qu'est-ce qui va m'arriver? Oh, elle va pas commencer à nous casser les couilles. S'enfuir du village. T'as raison. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut plus ramasser le tout. Le loup dans la cabane. Ingrid, Kex. Mais j'aime bien la chinoise aussi, attention. Ingrid, j'aime bien ce petit style secrétaire, working girl. Bon, après, Ada, c'est Ada. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Putain, j'ai failli clamser, n'empêche. Hein. En fait, ce qui est un peu énervant dans ce jeu, c'est pour te... Tu sais, comme tu joues... Comme j'ai beaucoup joué à Elden Ring, là, les Soul-like et tout. Tu as vraiment le côté où tu veux esquiver, tu vois. Tac, 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 tac. Et là, en fait, tu peux pas. C'est-à-dire que dès qu'il y a un ennemi, tu es obligé de tirer dessus, quoi. J'ai déjà croisé des types avec des tentacules qui sortent de leur tête. Non seulement ils sont dangereux, mais en plus ils sont pénibles à tuer. Heureusement, ils ont un point faible. Les ordres de lumière, comme ça, du soleil. C'est pourquoi on va jamais en journée. Ouais, si tu te prends envie de te promener la nuit, je te conseille du moins de garder quelques grenades à vélo sur toi. J'ai toujours eu deux sous la main. Tu peux bien en fabriquer. Ça, c'est pas mal d'en fabriquer. Bienvenue. J'ai mis la main sur quelques rares. Oh merde. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Offre spéciale. Nous ouais, ouais, on va le client idéal pour ceci. Ouais, mais j'ai rien à vendre, Jean-Claude. Hein. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Oh, ça, t'en auras pour ton argent, je te le garantis. Je te le garantis. Bah, je vais le réparer, lui. Comme neuf. Voilà. En quoi puis-je t'être utile? Ah, poudre noire. Et à certaines choses que l'argent n'achète pas. C'est intéressant ça, non? Tu crois pas? Ça, c'est de l'arnaque, ça? Mais c'est ça, faire pas d'affaires plus souvent. Est-ce que ce sera bien? Est-ce que j'ai de la ferraille? J'ai même pas de ferraille, donc ça raccouche. Mais la poudre, c'est intéressant. Ah oui, j'ai la ferraille. Vas-y, je vais le prendre, hein, je suis dans la merde. Qu'est-ce que je te dis? Hey, très bon choix. Je sais, je dis souvent ça. Mais je le pense vraiment. Fais bonne route. Fais bonne route.
écoute. Oui, la manette c'est noire, c'est de l'arnaque, tu auras plus de ferraille. J'ai, mais moins souvent de la bleue, et c'est que bleue. Oh, d'accord. Bon, ça par contre, on est d'accord que putain, c'était pas terrible. Hein, le... Je vais le mettre quand même en raccourci, cette merde. Je peux le mettre en raccourci en haut. Ouais, on sait jamais. Mais les gars, j'ai pas beaucoup de pas beaucoup de mules, hein. On a de la compagnie. Suis-moi sans faire aucun bruit. Ok. D'accord. Ok. Je vais essayer. Après, l'infiltration dans celui-là. Je connais toutes les astuces, moi. T'inquiète pas pour moi, mon petit Rudy. Là, il va falloir jouer malinois. Malicieux. Qu'est-ce qu'il a eu? On passe au plan B. Qu'est-ce qu'il a eu? What the fuck? J'arrive, calme-toi. Lâchez-moi! Laisse-la! Mais non! Je veux pas faire ça! C'est con, lui. Dégage! J'ai pas compris pourquoi il m'a vu. C'est l'autre pute? C'est à cause d'Ashley? Cule. Encore un cochon là? Ah, mais elle est où la pute? Mais elle est en haut! D'accord, elle est en haut. Ce serait bien de viser un peu. Surtout que j'ai acheté un truc à triple zoom là. On peut monter là, non? T'es blessé? Ça va, merci. L'astuce est de tuer au sniper les deux femmes en hauteur. Ah ouais, d'accord. Je t'avoue que je les ai pas vus. Il y en a deux? Ouais, prends le feu. Mets-toi le feu, hein! Sur mon père, mets-toi le feu! Oh, le bruit qu'elle a fait, oh! Elle a crié sa maman. Je dis pas qu'elle s'est pris le piège. Il y avait un piège. Elle s'est pris le piège, ce con?
Quel abruti. Oh, le zinc. Mais elle est débile, elle, putain, mais qu'est débilos. Mais qu'est débilos, elle est toujours aussi... Toujours aussi truffe, elle. Hein. Qu'est gogol. Faut aller voir ces machins. Regardez, est-ce qu'il y a un petit trésor là. Oh, qu'est-ce que c'est ça. Quoi. Quoi. Mais j'ai oublié plein de trucs. Tu m'as pas dit ça, Rudy. Où est-ce que... Comment j'ai passé à côté de ça. Les gars, on va récupérer parce que là, c'est primordial. Là, sur le côté. Ah bah ouais, d'accord. La ferraille. Et c'est où là. Oh, l'autre il respire comme un porcasse. Ah non, c'est dehors. Mais merde, ils sont où ces mines de merde là. Ah bah d'accord, c'est là. Bon, on va sauvegarder hein. Salut étranger. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? J'ai rien, je peux rien acheter. Ma marchandise est en parfait état, je te le promets. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Ah ben regarde, j'ai un diamant jaune. Reviens quand. Putain, on est bon là. Il va faire ça proprement. Voilà. Tu veux surtout. Bienvenue. 26 000. Merci. Quoi? Fallait avoir un 3 jaune. Oh non, vas-y, c'est bon. Ah non, c'est bon. Deviens fou, quoi. 3 jaunes, 3 trucs, 3 mes couilles, ça c'est bon. Est-ce que j'achèterai pas? Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme, étranger? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. Salut Marius. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. J'ai plein. Elle va pas te faire tuer. Elle va pas te faire tuer, con lui. Les jaunes augmentent la valeur, plus tard tu auras une couronne, par exemple, avec 5 places, tu mets 5 couleurs, elle rapportera 10. Le mec il marronne parce qu'il pleut, pas parce qu'il y a des zombies. C'est de fou ce jeu. Attention par terre. Ta-da-da-ta-ta. Y'a pas un piège là. Comment il va le Merlinos? Il va bien? Un peu zéro motif pour le boulot là. Éloigne-toi. Si tu veux mon avis.
position de... Mais ouais, mais je te dis, Rudy, la vache qui m'attaque, c'est un truc de fou. Bon, Merlin, tout à l'heure, il y a une vache, elle m'a... il y avait des monstres, et tout d'un coup, il y a une vache qui m'a attaqué. Comme ça. Mais pendant... elle a dû m'attaquer, je sais pas, au moins trois fois, quoi. Oh, elle m'a rendu fou. Ah, ben voilà. Là aussi, il faut mettre des couleurs de mes couilles, là. Bah, les couilles, hein. Si t'es vegan, ouais. C'est des conneries avec des histoires de poules, là. C'est vrai que les poules. On mange tous les jours des poules. Putain, j'avais même pas vu ça, alors. Sans déconner. Attends, mais je suis où là? Sans déconner, j'ai loupé ça! Je vais vendre ma couronne. J'ai retrouvé une culotte dans mon placard, je sais pas qui c'est. Mais là, sur Facebook. À qui appartient? Tu as reniflé? Bah, je vais vendre mon truc. Ça va faire des sous. J'ai mis des. En quoi puis-je t'être utile? 7000, c'est beau. 27000, c'est beau. Une affaire bien conclue. Comme ça, je peux augmenter... Modeler une arme pour répondre à tes... J'achète? Oh, y a-t-il quelque chose de... Ce que tu vois là, c'est tout ce que... Je l'achète ou pas? Putain, si je l'achète, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Il va falloir tout que je refasse, putain. Qu'est-ce que tu en penses, Rudy? Tu penses que ça vaut le coup de l'acheter? Pas maintenant, non, plus tard. Ah ouais, direct? Et je revends l'ancien? Comme il me le rachète? 86 000! Ouais, je fais ça, non? Allez, vas-y, hein. Avec ça, tu vas réduire tes ennemis. La voix, elle est magnifique quand même. Hein. La voix française, c'est bien. Merci. Bah, ben vas-y, c'est parti pour la modification. Hein. 20 000 quand même. Un puissance. Ça t'épate, hein. Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Et voilà, comme tu l'as demandé. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne... Putain, c'est magnifique ce que j'ai fait là. Limite, j'ai envie de vendre ça aussi que... Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Tu vois, j'ai bien fait d'avoir fait ça. Y a-t-il quelque chose de plus? 12 000, châssis 1000, j'ai envie de... Si je vends un truc de merde, là... Le bracelet, vaut mieux le garder encore? Ouais. Trésor ou babiole, ça n'a 5000. Pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. TMP, je peux vendre, hein. J'ai plein de choses à... Reviens quand tu veux. Attendez, parce que là, j'ai trois trucs verts. Pas très bien rangé tout ça. Tu vois ce que je veux dire. Un peu le bordel. Cette balle. C'est ça que je. Ça me sert à rien ça. Je peux la vendre cette truc là. Surtout. Bienvenue.
pas que je me trompe, mais je peux le vendre, non? C'est pas de conne. Les richesses que tu amasses te serviront. C'est une lunette optique standard disposant de deux niveaux de grossissement. C'est ça, je peux le vendre? Ouais, bah les couilles. C'est que pour les fusils. Pas mal. 8000. Ça, 8000, je peux modifier encore un peu mon pompe. Ah non, c'est 12000. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Je vais prendre un spray. Non, j'ai 3. Ouais. Pour ton argent, je te le garantis. Ouais, je me souviens, Merlin. Je garde des sous. Ce que j'aimerais bien modifier mon pompe encore. 12000. Non, mais ça va, c'est bien. Va pas te faire tuer, hein. Putain, j'ai l'impression que j'ai passé un quart d'heure ici. Que... Fais voir à quoi il ressemble dans ce pompe de zinc. Ah ouais, mais ça c'est un truc de zinc ça. 7 balles en plus. La petite Ashley. Quand même magnifique ce jeu. Ah ouais, efficace de loin. C'est bon ça. Ils auraient dû faire des DLC de ce putain de jeu, ils sont débiles hein. Ils gardent la même mécanique là. À la fois c'est une mécanique et un de... c'est un jeu ancien hein. Mais ça fonctionne bien hein. Bon, ils vont me casser les couilles, par où je passe là. Toujours à gueuler eux. Hein. Merci pour le follow, Glycerine. Glycerine. C'est bien calme. C'est bien calme. Qu'est-ce que tu me dis? Tu as pris la mécanique juste au bord du feu? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter, Rudy? La mécanique de quoi? C'est quoi la mécanique? Ah d'accord. Merci. Heureusement vous êtes là. Hein? Ok. Je vais passer complètement à droite. À droite il y a une porte. Escalier de fer, porte entrouverte. Ok, je vais pas l'ouvrir de suite. En haut, il y a une sorte de truc, hein, un coffre. Ok, il est là, lui. Il crie tout seul, ce con là. Ouais, mais dis-moi quand c'est que c'est pas chaud en fait. Vas-y, je vais y aller avec le flingue. Putain, c'est moi qui fais du boucan comme ça. Merde, merde! Comme en zinc devant la gonzesse. Aucune éducation. Oh, ça m'a fait rire. Il y avait un clip à faire là. Ah, faudrait que Kex me fasse le clip de la vache. Je sais pas s'il était là, Kex. Incroyable ça. Incroyable la vache. Unbelievable. Putain, elle a enjambé le corps là, fais voir.
la programmation là. Ok, donc là j'ai ramassé ça. Il y avait une histoire de coffre quelque part. Là je vois des mules. C'est fermé. Attends, c'est fermé. Pirate de mine. Oh mais la vache, ça m'a rendu fou. Y'a que moi. C'est un truc de fou. Je veux clipper, je veux le mettre sur... sur le réseau, quoi. C'est incroyable, cette vache. Comment ouvrir ce cadenas? Ah, je le ferai, Kex, t'inquiète, t'en prends pas la tête. Je sais exactement où c'est. Le cadenas, si je mets un coup de... Ça marche, Rudy? Ça veut dire qu'il faut tirer d'en haut. Ah, mais il faut tirer d'en haut. Ouais, il faut tirer d'en haut. Très réaliste ce jeu. On y va. Compris. C'est bien là, je suis en train de récupérer plein de trucs. En plus, j'ai pas utilisé le pompe encore. Je suis con, moi. Pourquoi j'ai tiré? C'est juste que je saute. Oh, quel bonnet. Des fois, je suis un peu débilos, hein. Vous avez remarqué ou pas? Attention à ce que vous répondez. Hein. Ordre. Casse-toi. Quoi? D'accord. Rentre pas dans la pièce du bas. Hein. Pourquoi Rudy? Mal la pression cette 5. Oui, bon, trop tard, bonne chance. Ah, oh, vas-y, c'est bon. Grenade. Flingue. On charge. Bonne chance de quoi, vas-y. Attends, mais c'est pas là, y a la... c'est pas là où il y a le vieux là. Non. Bonne chance. Mais la pression. Mais j'ai peur de rien, moi. Sauf de mon reflet. Magnifique ça. Vas-y, je prends le pompe, dit que sa mère. Attends, j'ai de la vie. Ouais. Pas beaucoup de vie. Ah oui, j'ai un sprint. Vas-y, prends. Oh! What the fuck? Un double? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? On se fait reculer les putes. Pardon, vous savez pas que c'était à vous. Éclaté, vraiment. Et ça va pas être possible en fait. Merde. Mais ta mère. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Et d'où il sort l'autre enculé là aussi? Ça me rend fou ça. Te mets deux monstres et il y a un mec qui t'attrape dans le dos là. C'est même... c'est de la connerie. Oh l'enculé où je suis. Mais j'avais bien démarré, arrête, j'avais bien démarré. Connerie, allez cache-toi. Attends ici. Quoi? D'accord. J'avais bien démarré, non, j'ai pas bien démarré. Je me suis embrouillé avec les grenades. Je devrais encore les prendre aux pompes, hein. Ça me casse les couilles. Hein. Je prends ma vie.
quoi, je vais commencer direct à la grenade. Si tu sors de la pièce, quand elles apparaissent, il y a plein de monde, ça sera plus facile. Déjà, je vais leur mettre une grenade, déjà. Premier truc. Par contre, c'est ça qui me casse les couilles, c'est que tu rajoutes des mecs... Oh, il court, lui. Ah ouais, d'accord, ouais, super. Incroyable. Oh, le son de zinc. Pas esquiver quoi. J'ai tiré 4 fois devant le mec, j'ai tiré 4 fois par terre quoi. Incroyable. Bon, du Merlinos. Putain, faut peut-être que je garde la grenade, non? Mais pourquoi elle est sortie, elle? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi elle est sortie? Je l'ai appelée? Reste ici. Quelqu'un peut m'expliquer? Ouais, sans faire exprès. Pourquoi j'ai un truc... Pourquoi j'ai une rouge? C'est bizarre. Ouais, sans faire exprès peut-être. Qu'est-ce que je fais? J'attaque avec... Putain, je sais pas. Ouais, je... Grenade, je pensais que c'était bien, mais en fait... Ouais, je pense que la grenade, c'est bien quand même, hein. Elle est sortie, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou quoi. Bah vas-y, ce jeu de merde. Ok.
On écoute ta mère. Oh, connasse. Je pense qu'elle est sortie parce que j'ai appuyé comme un sgeg. Ok. Il y a quelqu'un qui l'a ouvert, non? Merci les gars, merci. Bozo time direct. Fallait que j'aille de toute façon là-dedans, Rudy, non? Pour récupérer cette merde. J'ai oublié des trucs. Là, il y a quelque chose. Les pesetas. Ok. Trop de manivelles. Attends, mais c'est où, trop de manivelles? T'as une échelle? Non, mais c'est ailleurs, non? Je crois que je suis pas allé tout en haut là, non? Ok. J'ai pas visité là. Ah d'accord, oui, ça rejoint, d'accord. Le trésor, il est là-bas. Oh putain! En tout cas, le pompe, il a bien bossé. Hein. Où est-ce que je dois aller là, en bas? Ici. Putain, c'est ici qu'ils ont pété le truc. Pas mal ces deux persos, j'ai bien kiffé. Attends, par contre, je sais pas où aller. Faut repartir là, c'est ça? Ah, d'accord, il y a OK, manivelle. Allez, manivelle. Je crois. Tu t'en es bien sorti tout à l'heure. On dirait que t'as l'habitude de fuir des tordus. Je dois prendre ça comme un compliment. Trop fort ce Léon. On va essayer de fabriquer des... Je crois que je peux pas. Putain, il en manque. Les sœurs Ballet étaient dans l'original aussi. Il y avait deux chemins dans l'autre, c'était un Helgig. Ah ouais? Putain, c'est vrai qu'il y avait deux chemins. Ouais, ça, je m'en souviens. Ah, ils l'ont enlevé, ça? D'accord. Oh, comme elle a crié. Comment on a dit qu'elle avait joui, quoi. Incroyable. Ça, je me souviens dans mon let's play, j'avais pas capté. Ok, mais on revient un peu plus. Par contre, ouais, j'ai de la place. Plutôt de place. J'ai deux vertes encore. Sur la carte, qu'est-ce que ça dit? Bon, ben on continue. Hein. Ça fait... Là, c'est bon, c'est plutôt safe. C'est pas bien grave, vu les autres ajouts qu'ils ont. C'est bon, fait. On y va. T'en es plutôt content, toi, Rudy, que tu es un gros fan.
ce remake. Putain, mais lui, tu peux rien faire, quoi. Ton âme doit être purifiée. Mais je sais que plus tard, il y avait deux Elgigantes, non? Mais vas-y! Non mais les gars, attendez, excusez-moi, je fais quoi là? C'est le trébuche et que l'autre il la ramasse. C'est bon, on y va. Non mais moi je veux bien... Je veux bien... Vite! Je veux bien foncer... Regarde! Faut que j'aille l'aider là? Excusez-moi! Qu'est-ce que je fais? Faut tuer personne, il me dit. Non mais c'est lui qui... Lui, il faut pas qu'il nous attrape, mais... Les autres, il faut les tuer, sinon elle va se faire attraper, cette pute. Longe le côté droit, à courant. Merde. J'ai fait une connerie là, non? Oh, séquence complètement bidon. C'est bidon parce que si tu gères, tu la gères même pas elle, tu sais même pas... Tu sais même pas ce qu'elle fait, si tu cours devant elle. C'est bon, on y va. Ok. Complètement bidon cette séquence. Vite! Oh merde! Putain, c'est pas vrai! Alors cours! C'était moi une. Oh le barbu! Putain! Ouais, non, mais là je critique le fait de... Tu meurs à cause d'elle, quoi, tu vois. Tu as envie de l'aider en plus. Écoute, c'est toi qui veux. Donc si jamais on le revoit, tu cours. Et toi? Je ferai ce que je dois faire. Mais toi?
Ah bah putain, quoi. Jette un œil, quelque chose. Il m'a rendu fou, quoi. Il m'a rendu fou. Chose va forcément te plaire. Oui, c'est bon. Bienvenue. Oui. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Qu'est-ce que t'achètes? Déjà, je vais vendre ça. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre... Heureusement, dans ce jeu, les morts ne sont pas pris en compte. Okay. Je peux la vendre, là, la clé, là? C'est bon? Clé des petits hôtels, c'est fini? Une clé complète, ça va, ouais, les petits hôtels, c'est fini dans la clé. C'est bizarre, non, qu'il me propose? Saphir. Ok, c'est fini. Saphir, je le mets dans le bracelet, non? En coup, reviens. Alors attends, fais voir ça, on va le mettre. Quand tu veux surtout. Bienvenue. Bienvenue. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Oh! Oh, c'est la merde, ça. Et à certaines choses que l'argent achète, elle va pas te faire tuer, hein? Eh ouais, bon bah les gars, je vais m'arrêter là, il est minuit. J'ai bien joué, j'ai bien streamé 2 heures. J'ai bien avancé. Content d'avoir retrouvé la petite Sachelet et puis on se retrouve pour un prochain épisode les gars. Je vais continuer à mettre sur YouTube là les épisodes. Non, tu es à la fin du village. Tu veux que je continue? C'est juste la fin. Tu n'as plus que le boss? Oh putain. Vous voulez vraiment me voir souffrir, vous. Ah oui, c'est le boss, là. Je suis pas venu ici pour souffrir. Léo ! C'est pas là où il se transforme, il y a du feu ou je sais pas quoi, non ? Ah oui, c'est pas une tête, je me souviens. Putain, ça c'est... Oh, oh ouais, mais c'est un sacré. De jouer à ça. On va jouer à ça. J'aurais dû monter. Oh putain, le con. Oh, il m'a chopé. Il m'a défoncé. Merde! Oh le con! C'est ça. Je vais prendre de la vie. Juste quand je dis ça, il me défend, ce fils de pute. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Elle met le feu. Comment j'esquive ça? Ah, juste quand il bouge. Ah, j'ai pas eu le temps d'esquiver. Allez, dégage. Mendez, merguez parti. Putain, heureusement j'avais le pompe. Hein. J'ai trop de mal à esquiver dans ce jeu, c'est un truc de fou. Oh l'œil. Leon. Putain, synchro quoi. Oh la 5. Elle est. Je sens qu'elle commence à être amoureuse. Hein. J'ai l'impression qu'elle a la schneck qui commence à trembler. Mais oui, trop facile pour moi. Tu le sais, sortir de l'abattoir. Déjà, on va récupérer l'œil. Ça doit se vendre. Salut ton dieu de ma part. Une éternité. Oui, laisse-moi récupérer des trucs. Qu'est-ce que je dois bien... Dis-moi, Rudy, si j'oublie des trucs. Hein. Oui, calme-toi. Oh, et des munitions. Voilà. Je crois que j'ai tout pris. C'est bon. Pendant les roches. Ça me fait penser à quelqu'un. Ça. Regarde là. Regarde la petite sainte touche. Regarde là, regarde là. Merci. Le feu va sûrement attirer leur attention. C'était quand même beau. C'est quand même beau. Léon, je vais pas devenir comme eux, hein? Mais non, viens. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Je te le promets. C'est exactement ça. Il est con ce cax. Oh, le château, magnifique. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Putain, il recharge, il met 3 plombes le truc. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Bon, rien du tout, gars. Dégueulasse. Trésor sur l'arme. Ah oui, j'entends. Merci Rudy. C'est le chapitre là, c'est la fin du chapitre. Eh ben c'est bon, on va s'arrêter là alors. C'est quand même beau. Hein. C'est quand même beau. Après, je crois que je sais pas si j'ai mis un mode 4K ou si j'ai mis le mode. Peut-être que j'ai pas mis le mode ultra rapide. Bon. Au moins, on est sûr de pas être suivi. Allez, en route. Oh putain, le château, les gars!